vient la grand-mère, que personne n'écoute, qu'on sort de son noir une fois par semaine, parce que ça se fait. On se passerait bien d'elle, mais ça se fait. C'est ce que je ferais. On ne peut pas dire qu'elle gêne beaucoup. Aujourd'hui, demain et dans 10 ans. Pour... Après demain, on verra demain. Aujourd'hui, demain. On ne peut pas dire qu'elle gêne beaucoup non plus. Pour après demain, on verra demain. Bon, il y a la grand-mère. Que personne n'écoute. Qu'on sort de son mouroir une fois par semaine parce que ça se fait. Je le sais, j'assume. On se passerait bien d'elle, mais ça se fait. Je pense à ce que je ferai aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'elle gêne beaucoup. Et dans 10 ans, pour après demain, on verra demain. Aujourd'hui, demain et dans 10 ans. On ne peut pas dire qu'elle gêne beaucoup non plus. Ça. Je ne sais pas faire de projet à moyen terme. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon truc, c'est immédiat. Mais tu sais bien, tu en as déjà mangé. Le moyen terme, j'y arrive. On peut pas dire qu'ils attendent qu'elle crève. Non, on peut pas. Enfin, si ça arrivait, ça ne surprendrait personne non plus. Vous avez 23 ans. C'est de son âge. Je savais que je... Puis tout faut que je vois bien la la machine. Il y en a qui fonctionnent moins avant que ça soit une oreille. Mais non, précisément. Il faut dire qu'il s'occupe bien d'elle. Une certitude. Là-bas. Une conviction. Les mots. Pas évident pour une leur mère. Leur sens. De ne jamais montrer à son fils. Je veux être sûr. Parce que le beau-père l'aurait mal pris. Mais 33 ans, c'était hier. Le gosse, elle l'a fait. Cela, elle l'assume. Elle le nourrit. Aux 33 ans de mes 23 ans. Mais c'est lui qu'elle doit aimer. Cela ressemblait quand même à mes 23 ans. Le gosse, elle l'a fait. Lui, elle l'a choisi. Je ne savais pas. Il va bien comprendre, le gosse, que c'est presque par erreur qu'il est là. C'est elle qui faisait la cuisine. Par hasard, en tout cas. Au début. On devait aller manger alors, chez chaque fois qu'on est 30 secondes seule, la mère et moi, j'avais envie elle s'excuse en tête à tête, de l'avoir mal élevé. De toute façon, mais sur lui, ça ne prenait pas. Proposé d'organiser un dîner que par principe. Elle se pose pas vraiment de questions. Ah, la mère. Dit à tous de m'acheter des cadeaux. Et puis bon, il faut faire attention ce que j'aurais eu. Ma mère. Elle se pose pas vraiment de questions. Ça leur évite pas plus de m'acheter. Et puis bon, il faut faire attention avec le bon père. J'aurais eu ma mère. Elle se pose pas vraiment ça de leur questions. Évite à plus de m'acheter des cadeaux. Et puis bon, il faut faire attention avec le bon père. Ma mère. Il a subi un choc. Des chaussettes, voire des slips partout de deux, un t-shirt promotionnel et c'est un pas sa faute si la tasse de pas plus, cesse. Deux tailles au-dessus, mais quasiment pas à l'attacher, de préférence à carreaux jaunes que et orange pisseux. Il a souffert. Elle n'avait pas grand jaloux en plus. C'est sa vision de l'amour. Elle a en fait dû l'acheter pour son âge. Aimer quelqu'un, c'est peut-être tellement dévoué que l'autre devient dépendant. Enfin, assister à la vie. L'année dernière, j'étais en Allemagne. Eh bien, ils me l'ont fêté au retour avec 3 semaines de décalage et une tarte à la rhubarbe. Parce que j'ai toujours une tarte à la rhubarbe pour mon anniversaire. Ce n'est pas que j'aime spécialement la rhubarbe. Si je devais proposer une liste de 50 desserts, je crois que la rhubarbe ne figurerait pas dessus. Mais il se trouve que c'est la saison de la rhubarbe. Là, il n'y a plus rien à dire. On ne peut pas lutter contre le hasard d'un calendrier qui m'ont fait naître en même temps que la rhubarbe. Cette année, sommet, j'ai dit non. Pas évident, mais je l'ai fait.
solides. Elles n'aiment pas les situations trop stables, trop carrées, mais les fragiles. Je suis un homme, 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 je